Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un haul AliExpress et un petit haul l'art en ciel de Christelle. Donc on va commencer par le plus petit parce que AliExpress, j'ai attendu plusieurs jours avant d'avoir reçu d'autres commandes. Donc pour l'art en ciel de Christelle, j'ai reçu ce pochoir avec des grandes étoiles et des petites étoiles. Il fait 15 cm sur 15 cm. Voilà. Il s'appelle Puits d'étoiles. Et j'ai reçu ce petit marque-page. Non, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est pour l'art en ciel de Christelle. Ensuite, pour AliExpress. Bon, ça fait un petit moment que je les ai reçus. J'ai reçu des papillons. Alors, je me mets face à la caméra. Voilà. Celui-là, un bleu, un autre de deux couleurs, ce n'est pas du tout le même. Un vert. Ceux-là, je les ai mis de côté, je vous expliquerai pourquoi après. Un mauve. Un violet et mauve. Un rouge clair et rouge foncé. Un bleu clair, deux couleurs de vert et deux couleurs de bleu. Ce sont des dessous de vert. Donc, on les met là une fois qu'ils sont faits. C'est du diamant painting. Et voici les diamants que j'ai reçus. Ils sont trop beaux. Il y a plein de reflets. Il brille, mais c'est dingue, on ne le voit pas à la caméra. Voilà. Avec le noir que j'ai en triple. Voilà, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y a 19 couleurs. Et puis comme dans tout diamant painting, il y a la petite coupelle, la colle et puis le stylet. Alors, moi c'est parce que j'ai une idée, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Je ferai un tuto pour ça. Peut-être que par la suite je recommanderai d'autres diamants si on peut, et puis je les ferai vraiment en dessous de verre, je ne sais pas. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, j'ai reçu ce dice là. Ce set de tampons sur l'Asie. Ça, c'est pour les cachets de cire, pour qu'ils soient bien ronds, la ronde dentelée, puis en forme d'étoile.
c'est en silicone. Voilà comment c'est fait. Et le dernier. Alors le vendeur s'était trompé, il m'avait envoyé sur l'Égypte. Donc il m'a remboursé et j'ai repris vraiment ce que je voulais sur l'Inde. Donc nous allons essayer les tampons avec la Versafine noire. Hop là. Sur des enveloppes de chez Action. J'espère que vous entendez pas ma machine à laver, elle est en train d'essorer. Alors, hop là. Tout tombe. Donc, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je le nettoie. Donc voici pour celui-là. Donc il y a un nénuphar, il y a des lampions. Oh, ils sont très trop beaux. J'aime beaucoup. Ça faisait un moment que je le cherchais, ce set de tampons. Je l'avais vu sur une création d'une youtubeuse sur, sur YouTube. Et ça me plaisait beaucoup. Et la personne chez qui elle l'a acheté n'en avait plus. Et puis là, j'ai vu qu'un autre vendeur l'avait sorti. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant, sur... sur celui de l'Inde. Très bien aussi. Moi, bon, je n'ai pas appuyé assez fort, mais j'ai mal à mon poignet. Très très bien aussi. J'adore. Donc j'attends deux autres commandes de chez Ali.
Donc voilà. Voilà mes petites commandes. Et les deux sets de tampons que voici. Avec un assortiment de dice, ça et les papillons. Ils sont très bien, ils impriment bien. Hein. Celui-là, ben, je n'ai pas assez appuyé, hein. C'est de ma faute. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye!